Excellences, Mesdames et Messieurs, la Cour. Je déclare ouverte l'audience solennelle de prestation de serment du ministre d'État, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution, le président de la République, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, reçoit ce jour le serment du ministre d'État, ministre de la Défense et de la Sécurité du territoire. Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez donner lecture du décret portant réaménagement du gouvernement de la République. Décret numéro 07/PR/PM modifiant le décret numéro 0003/PR/PM du 14 janvier 2019 et portant réaménagement du gouvernement de la République. Le président de la République, chef de l'État, vu la Constitution, vu le décret numéro 0001/PR du 12 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret numéro 003/PR/PM du 14 janvier 2019 fixant la composition du gouvernement de la République. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète article 1er. L'article 1er du décret numéro 0003/PR/PM du 14 janvier 2019. Fixant la composition du gouvernement de la République, est modifié comme suit. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Ministre de l'Économie, de la Prospective et de la programmation du développement chargée de la promotion des investissements publics et privés. Monsieur Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, chargé du programme Graines. Monsieur Biendi Maganga Moussavo, ministre de l'Eau et de l'Énergie, de la valorisation et de l'industrialisation des ressources minières, Monsieur Norbert Emmanuel Tony Ondomba, ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, Petites et Moyennes Industries, Monsieur David Badinga. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville le 30 janvier 2019 par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Merci, monsieur le greffier en chef. Madame le ministre d'État, ministre de la Défense et de la Sécurité du territoire, veuillez vous approcher du pupitre. La main
droite nue et levée pour prononcer la formule de serment placée devant vous. Je jure de respecter la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État et dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Je le jure. Madame le ministre d'État, ministre de la Défense et de la Sécurité du territoire, le collège institué par l'article 15 de la Constitution de la République vous donne acte de votre serment de ce jour, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous adresse ses chaleureuses félicitations et dit que du tout il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Madame le ministre d'État, en charge de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire, veuillez prendre votre place. L'audience solennelle de prestation de serment du ministre d'État, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire, est levée. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cour se retire.